Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo embellissement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'embellissement et voilà, j'étais en train de faire quelques petites bricoles devant la télé et je me suis dit, ben voilà, pourquoi tu prépares pas ta vidéo et tu leur montres ce que tu es en train de faire devant la télé. Donc je vais déjà vous montrer ce que j'étais en train de faire et après on passera donc au tuto. Alors j'étais en train de faire ce genre de petites fleurs. Donc voilà, j'en ai déjà fait plusieurs. C'est assez rapide à faire et il ne faut pas grand-chose niveau matériel. Pour le matériel, j'ai besoin de ciseaux, d'un cutter, d'une règle et de ce genre d'outil-là. Donc c'est l'outil à quilling. Ou si vous n'avez pas d'outil à quilling, vous pouvez très bien prendre... un pic à brochette, un cure-dent, voilà, de façon à pouvoir enrouler le papier autour. Donc voilà ce qu'il vous faut. Et il vous faut aussi ce genre de papier, c'est du papier 80 grammes que l'on trouve chez Action. Donc il y en a de couleurs différentes. Moi j'ai pris dans les tons pastels, mais il y a aussi des couleurs un peu plus vives. Donc moi j'utilise pour l'instant les couleurs pastels. Et on va en faire une rose. Voilà. Donc, on va procéder comme ceci. On va faire une bande de 2 cm de largeur sur toute la longueur, donc sur les 29 7. Donc, j'y vais doucement parce que le papier est fin et mon cutter a tendance à accrocher. Donc j'y vais doucement. Voilà, une fois que la bande est coupée, on plie en deux. Et encore en deux. Voilà, là je prends un crayon et ma règle et je trace une ligne à 0,5 cm du bord. Donc voilà, donc ça sera ma limite à ne pas dépasser quand je vais découper. Donc ensuite je prends des ciseaux et je vais couper l'équivalent de la largeur de mes ciseaux, de la lame de mes ciseaux. Alors, elle doit faire 2 mm, je pense. Donc, voilà, je vais couper comme ça jusqu'au repère que j'ai fait. Donc, ça donne un petit aperçu déjà. Ça donne ça. Donc, je vais continuer. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir. Et voilà, je vais couper comme ça jusqu'au bout de la bande. Sans aller au-delà du petit trait au crayon que j'ai fait. Alors après, si c'est pas régulier, c'est pas trop grave. Donc je continue comme ça jusqu'au bout. Alors, on obtient ceci, donc ça fait une petite frange. Ensuite, on ouvre notre bande. Voilà, et comme vous pouvez le voir, là où c'était plié, les bandes sont un peu plus larges. Donc, celles-ci, je les recoupe. Voilà, et c'était la dernière. Maintenant, je prends... l'outil donc à quilling ou le cure-dent ou le pic à brochette et on va rouler, alors sans trop serrer. Donc on voit le trait que j'avais fait tout à l'heure au crayon, mais il va disparaître puisqu'il sera enroulé et que je vais finir par coller, donc on ne le verra plus. Voilà, là j'arrive au bout, je vais mettre un point de colle.
j'enlève le petit outil, j'attends que la colle sèche un peu, et voilà, je tapote pour que ma fleur puisse prendre une forme un peu incurvée. Donc je l'enroule dans ma main aussi, je la fais tourner, donc ça recourbe un peu les pétales. Ensuite, je cherche le centre. Voilà. Et là, je viens écraser. Alors, sans trop l'écrabouiller. Il ne faut pas non plus que ce soit vraiment aplati. Donc là, je l'écarte avec mes doigts tous les pétales. Voilà. On peut donner une petite forme encore incurvée avec le pouce. En fait, tout dépend de l'effet que vous voulez lui donner. Donc là, elle sera un peu plus en relief. Et si vous trouvez que cette partie-là est trop longue, j'attends un peu que ça sèche et je recoupe. Comme ça, ça sera un peu moins épais. Voilà. Voilà, donc là, je refais comme tout à l'heure. Donc, je lui donne une forme un peu plus évasée. Voilà. Et dans celle-ci, au milieu, je vais remettre une petite fleur comme ça. Donc, je vais enlever la petite mousse. Je vais voir si je la laisse ou pas. Donc là, ce sont des fleurs qui viennent de chez Action. Ouais, je peux la laisser. Je pensais que ça donnait plus d'épaisseur, mais non. Finalement, non. Donc voilà, la petite fleur. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est rapide à faire. Voilà, j'en ai préparé une autre, une petite bande bleue que je vais faire, et je vais mettre cette fois des petites fleurs comme celle-ci au centre. Donc je refais mon petit repère à 0,5. Je vais essayer même de le faire un peu moins, je vais faire 2 mm à peu près, voilà. Et je reprends donc mes ciseaux et je fais comme tout à l'heure, donc l'épaisseur de la lame. Voilà, je déroule, je déplie la bande. Donc, on y va délicatement. Et là, je recoupe les petites bandes qui n'ont pas été découpées au niveau de la pliure. Voilà, je reprends l'outil aquiline. Et je roule donc jusqu'au bout. Voilà, j'arrive au bout, je mets la colle. Cette fois, j'aurai pas besoin de recouper. Donc là, je remets en forme la fleur et je vais coller donc la petite fleur au milieu. La petite fleur blanche avec le strass. Donc je vais prendre celle-ci. Voilà, comme ça je peux donner un petit côté arrondi à mes pétales et la petite fleur est terminée. Voilà, je vous remonte toutes les fleurs. Le petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner.
Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!